put your hands together for Jesus, somebody. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus? Amen. Please be seated. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. So in this month of February, alors en ce mois de février, you are dealing with the principles of divine favor. Vous traitez avec les, vous êtes sur les principes de la faveur divine. Amen. Amen. I'm going to make very strong statements that I think you should remember. Je vous donnerai des paroles assez fortes dont je suis sûr que vous vous souviendrez. Amen. Amen. That is number one. Ceci est premièrement. Divine favor. La faveur divine. Comes from God. Vient de Dieu. It is very important that you remember that. C'est très important que vous vous souveniez de cela. Amen. Amen. Number one, divine favor comes from God. Numéro un, la faveur divine vient de Dieu. Amen. Amen. Number two. Numéro deux. Favor determines the limit of your destiny. La faveur détermine la limite de ta destinée. Amen. Amen. Number three. Numéro trois. One encounter with favor. Une rencontre avec la faveur can settle a lifetime of labor. Peut résoudre le problème de toute une vie de labeur. Amen. Amen. Number three again. Numéro 3 encore. One encounter with favor. Une seule rencontre avec la faveur can settle a lifetime of labor. Peut résoudre le problème de toute une vie de labeur. Amen. Amen. And number 4. Et numéro 4. In this kingdom, dans ce royaume, in this kingdom, dans ce royaume, who likes you matter. Celui qui t'aime est important. Who likes you? Celui qui t'aime. It matters. Cela est important de connaître celui qui t'aime. Amen. Amen. In this kingdom of God, dans ce royaume de Dieu, who likes you? Celui qui t'aime matter. A de l'importance. Amen. Amen. Shall we read some scripture? Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles et lire? Turn with me to the book of Psalm. Allons-y dans le livre de Psaume. Psalm, the chapter number 2. Psaume chapitre 2. Sorry, chapter, Psalm chapter number 5. Psaume 5. And the verse number 12. Et verset 12. Psalms chapter number 5. Psaume 5. And the verse number 12. Et verset 12. Read it for me. Je lis la parole de Dieu. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Psalm 5, verse 12. Psaume 5, 12. The English says, for you, O Lord, will bless the righteous. La version anglaise dit, toi, ô Dieu, tu béniras le juste. And with favor, you will surround him like a shield. Et tu l'environneras de ta faveur tel un bouclier. But you, O Lord. Mais toi, ô Dieu. So our first point is settled. Alors notre premier that favor point, comes from God. Notre premier point est résolu. Nous sommes d'accord que la faveur vient de Dieu. Because he says, for you, O Lord. Parce qu'il est écrit, mais toi, ô Dieu. Will surround the righteous. Va environner le juste. With favor. De ta de la faveur. It says, for you, O Lord, will bless the righteous. Dis, mais toi, ô Dieu, tu béniras le juste. With favor, with you will surround him with a shield. Et de la faveur, tu l'environneras tel un bouclier. Amen. Amen. Favor is very crucial for the Christian. La faveur est quelque chose de très crucial pour le chrétien. Amen. Amen. I was ministering with the in the missions department. Je rendais ministère au niveau de la mission. And I was telling them something. Et je leur disais quelque chose. In the book of Genesis, when the Bible says that man fell. Dans le livre de Genèse, lorsque la Bible dit que l'homme est tombé. When we ate the fruit we were not supposed to eat. Lorsqu'ils ont mangé le fruit qu'ils n'étaient pas supposés manger. And the Bible says that for the day that you eat it, you will die. Et la Bible dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. I'm sure Abraham, Adam said, well, I'm not dead. Je suis sûr qu'Adam s'est peut-être dit, je suis pas mort. But we died.
Mais nous sommes morts. Because when we were in the garden, parce que lorsque nous étions dans le jardin, according to the purpose and the plan of God, selon le but et l'objectif de Dieu, we were de in Dieu, a state of awareness. Nous étions dans un état de on était plus ou moins prévenus. Amen. Amen. In the state of awareness, dans cet état d'être prévenu, we didn't need to know. Nous n'avions pas besoin de connaître. We do. Nous connaissions. Amen. Amen. I was giving this example with them yesterday. I said that when you are reading a book, je leur donnais un exemple hier et je disais lorsque tu lis un livre, you start reading the information. Tu commences à lire, apprendre à lire les informations. You start from chapter 1. Commencez par le chapitre 1. And you keep reading. Et vous continuez à lire. As you read, alors que vous êtes en train de lire, you gain information. Vous recevez des informations. So it gets to a point where you are in suspense. Donc il y a, vous arrivez à un niveau où vous êtes comme dans un suspense. And you are trying to find what is at the end of the information. Et vous essayez de trouver, de chercher ce qu'il y a à la fin de ces informations. But you have to finish reading the entire book in time. Mais vous devrez finir d'avoir lu tout le livre. Before you know what was in the book. Avant de connaître ce qu'il y avait dans le livre. But in the realm of awareness. Mais dans le domaine du fait d'être prévenu. The information is in your mind. Les informations sont dans votre esprit. It drops like revelation. Et elles viennent comme de la révélation. You know, in revelation, you don't like when God is revealing something to you. Dans la révélation, lorsque Dieu vous révèle quelque chose. The information is deposited at once. L'information est déposée une fois. So if it was that same book. Donc si c'était ce même livre, before you even open page one, avant que tu n'ouvres la page 1, the entire information is already downloaded. L'entièreté de l'information est déjà en toi. Amen. Amen. We lived in a realm of awareness. Nous vivons dans un monde où nous sommes Look, prévenus. Let me give you one example. Mais c'est que je vous donne un exemple. The Bible says that God put Adam to a deep sleep. La Bible dit que Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil. And when Adam slept, he took a rib. Et lorsque Adam s'est endormi, il a pris une côte. And he made a woman. Et il a formé la femme. When Adam woke up, lorsque Adam s'est réveillé, he did not examine the woman. Il n'a pas examiné la femme. He didn't ask the woman questions. Il n'a pas posé à la femme des questions. Neither did he ask God questions. Encore moins a-t-il demandé à Dieu. But then he declared to her, mais il a déclaré ses said, paroles. This is a woman. Dit, ça c'est la femme. Bone of my bone. Oh, de l'os de mes os. How did he know the bone came from his rib? Comment est-ce qu'il savait que les os venaient de lui? He lived in a realm of awareness. Il vivait dans un monde où il était déjà plus ou moins prévenu. Amen. Amen. And so when God said you will surely die. Et lorsque Dieu lui dit tu mourras certainement. We lost the entirety of awareness. Lorsque Dieu nous a dit vous mourrez, alors nous avons perdu cette dimension de la prévention. We lost his presence altogether. Nous avons également perdu sa présence complètement. Amen. Amen. So then we needed things to help us do what we used to do. Donc nous avions eu besoin des choses qui nous aideraient à refaire ce que nous faisions avant. That is where anointing comes in. C'est là où l'onction intervient. Because if you do not have an anointing upon your life, parce que si tu n'as pas une onction sur ta vie, you cannot be skillful in anything. Tu ne peux pas être habile dans quoi Because que ce soit. Because the anointing is what enables you to. Parce que l'onction est ce qui te capacite. So I cannot sing. Alors je ne peux pas chanter. If there's not an anointing upon my life. S'il n'y a pas de l'onction sur ma vie. You cannot serve. Tu ne peux pas servir. You cannot play the keyboard. Tu ne peux pas jouer au piano. If there is not an anointing upon your life. S'il n'y a pas d'onction sur ta vie pour agir ainsi. Amen. Amen. When I started to learn to the piano. Lorsque j'ai commencé à jouer au piano. It took me 3 to 6 months. Ça m'a pris 3 à 6 mois. In church to start playing for the main service. À l'église pour que je commence à jouer durant les cultes. I met another young man. J'ai rencontré un homme plus jeune. Who had been learning it for 2 years. Qui a appris, qui ne faisait qu'apprendre déjà depuis and 2 ans. And he had been playing the same thing over and over and over again. Et il a joué la même chose pendant longtemps encore. And he could not move forward. Mais il ne pouvait pas et il ne pouvait pas aller de l'avant. He didn't have the anointing. Il n'avait pas l'onction. Amen. Amen. The next thing that God gave us to help us. La chose suivante que Dieu nous a donnée pour nous aider. Is favor. C'est la faveur. So he gave us anointing to enable us. Il nous a donné l'onction pour nos capacités. And then he gave us favor to be attracted. Et ensuite il nous a donné la faveur pour être attractif. Amen. Attrayant. Favor then deals with two particular things. Donc la faveur traite avec deux choses. Favor is seen. La faveur est vue. And favor is smelt. Et la faveur est humée. Tell somebody it is seen. Dis à quelqu'un elle est vue. Tell them it is smelt. Et dis à quelqu'un également, elle est, on peut l'humer. On peut l'humer, la sentir. Amen. Amen.
It is like a dress that someone wears. C'est comme une robe que quelqu'un porte. And so when the person is walking past, et lorsque la personne est en train de marcher, people who look at him can see the favor of God. Les gens qui regarderont à cette personne pourront voir la faveur de Dieu. It is like a perfume you wear. C'est comme un parfum que vous avez mis sur vous. When you pass by, lorsque vous passez, we can smell. Nous pouvons le sentir. You smell good. Vous pouvez vous sentez très bon. Amen. Amen. If you read the book of Genesis, si vous lisez le livre de Genèse, Isaac said, my son, Isaac a dit, mon fils, has the smell of a man that is blessed. Mon fils a l'odeur, sinon le parfum d'un homme qui est béni. Amen. Amen. The interesting thing is that we think that because the Bible said his eyes were dim, he did not see that it was not Esau he was blessing, but it was Jacob. Nous pensons que parce que la Bible dit que ses yeux étaient appesantis et qu'il ne savait pas que c'était Jacob qu'il était en train de bénir. Because he said the voice is the voice of. Parce qu'il a dit la voix est la voix de Jacob. Of Jacob. He said it. Il l'a dit. It meant he knew it. Il le savait, donc cela signifiait qu'il when savait. He smelt the young man, mais lorsqu'il a humé le jeune homme, he smelt the favor of God upon the il a man. Senti humer la faveur de Dieu sur so you vie. Don't deserve the blessing. Alors tu ne mérites pas la bénédiction. But I'm giving you the blessing mais je te anyway. Donne la bénédiction. This year, as your father has declared divine cette année, favor, alors que votre père a déclaré la faveur divine, tu ne la mérites peut-être but pas, blessed anyway. Mais tu seras béni, quelles que soient les circonstances. Amen. Amen. You see, you don't understand this. C'est, vous ne comprenez pas ceci. It is like you are all preparing to write an examination. C'est comme si vous étiez en train de vous préparer à faire un examen, à passer un examen. And the lecturer meets you in the class. Et le professeur vous rencontre dans la salle de classe. And says, young man, young lady. Dit jeune homme, jeune femme. What are you doing? Que fais-tu? Said I am studying for the exam. Je suis en train d'étudier pour les examens. Oh, that's fine. Ok, c'est bon, ça va. Then you must read this and that topic. Donc tu dois lire ceci, ce thème, ainsi de suite. Because that is where I'm setting the question. Parce que c'est ce sur quoi portera l'examen. Other people say, ah, but sir, it's not fair. Et d'autres personnes diraient, mais monsieur, ce n'est pas favor juste. Is not fair. La faveur n'est pas juste. It does not deal with who qualifies. Elle ne traite pas avec la personne qui est qualifiée. It deals with the one that smells like favor is upon. Elle traite avec la personne qui a l'odeur de la faveur. You receive the smell aujourd'hui, of puisses-tu favor. Recevoir le parfum de la faveur upon your life. Sur ta vie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Favor is like a garment. La faveur est comme un vêtement. It's like a dress. C'est comme une robe. So as you dress up in favor in the morning. Alors que tu te t'habilles dans la faveur en matin et que tu marches. All of a sudden, divine helpers are locating you. Soudainement, les aides divines commencent à te localiser. They are seeing you in corners and places. Ils t'ont vu à certains endroits. It looks like you look familiar. Mais j'ai l'impression que ton visage m'est familier. I don't know you. Et je ne te connais pas. Are you sure? Tu es sûr? What are you doing here? Que fais-tu ici? Oh, I was looking for a job. Je cherchais un emploi. I see. Tiens, je vois. Take my card. Prends ma carte de visite. Come to me tomorrow morning. Viens me voir demain. You go to the man and he says, ah, you look very familiar. Vous allez encore voir le monsieur et il vous dit, votre visage m'a l'air familier. What do you think about managing my company in South Africa? Que penses-tu de gérer ma compagnie en Afrique du Sud? Are you busy tomorrow morning? Est-ce que tu es occupé demain matin? You say me? Tu dis moi? I am not busy. Je ne suis pas occupé. Amen. Amen. Divine favor will locate la you in places. La faveur divine te localisera avec tes bénédictions. Les bénédictions ne te laisseront jamais. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Favor will promote you. La faveur va te promouvoir. Oh yeah. Oh oui. Favor will promote you. La faveur va te promouvoir. It will lift you from places where you never thought you could get to. Et t'élèvera à des niveaux auxquels tu n'aurais jamais pensé. Amen. Amen. Favor is dangerous. La faveur est dangereuse. That is why when God favors a man, c'est pourquoi lorsque Dieu favorise un homme, he's a dangerous man. C'est un homme dangereux. Look. If you play with a favored man, si vous jouez avec un homme favorisé, you are playing with your life. Tu joues avec ta vie. When I entered this room, lorsque je suis rentré dans cette pièce, and I looked around, et j'ai regardé autour, I asked Daddy, j'ai demandé à mon beau-père, where is the favored man of the house? Où est l'homme favorisé de la maison? Because you see, this doesn't come up without favor. Parce que vous savez, ceci ne peut se faire que par la faveur. Favor can be smelled. La faveur peut être, on peut humer la faveur. When you enter a place, favor shows you its works.
Lorsque vous rentrez dans un endroit, la faveur montre ses œuvres. It looks like I'm running ahead of myself. J'ai l'impression que je suis en train d'aller un peu trop loin. Favor would pay you up. La faveur te It will pay you. La faveur te récompensera. Amen. Amen. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. Come with me to the book of Exodus. Allons-y dans le livre d'Exode. Exodus chapter 3, the verse number 21. Exode 3, 21. The favor of God is coming upon someone's life. La faveur de Dieu est en train de descendre sur la vie de quelqu'un. Somebody will live here with the favor of God upon their life. Quelqu'un quittera d'ici avec la faveur de Dieu sur sa vie. Where you have struggled, you will not struggle again. Où tu t'es battu, tu ne te battras plus. Amen. Amen. Read that for me. Lis la parole de Dieu, Exode 3, 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous ne partirez point à vide. Did you hear that? Est-ce que vous avez écouté cela? Did you hear that? Est-ce que vous avez écouté cela? He says that in the English, says, I will give you this people favor in the sight of the Egyptians. Je vous ferai trouver faveur aux yeux des Égyptiens. And you will not leave empty-handed. Et vous ne partirez pas à vide. Maybe you don't get that. Peut-être que vous ne comprenez pas. They had served for 430 years. Ils ont servi pendant 430 ans. Without pay. Without sans pay. Être payé. They served 430 years. Ils ont servi pendant 430 ans. No pay. Pas de paye. But one day when God dropped the favor on Mais their life. Un jour lorsque Dieu a décidé de faire descendre sa who faveur. Who is the favor of the life coming upon right now? Sur qui est-ce que la faveur de Dieu descend maintenant? Who is the favor of God coming upon right now? Sur qui est-ce que la faveur de Dieu descend who maintenant? Who is the favor of God coming upon sur right now? Sur qui est-ce que la faveur de Dieu descend maintenant? To receive payment. Tu recevras la faveur. For 430 years. Tu recevras le salaire de 430 ans. One day. Un jour. Favor knows how to pay. La faveur sait comment récompenser. You see, when 31st night, when they pulled down the thing and they said, tous debout dans la faveur, dans le fer, yeah, whatever. Yeah. Lorsqu'on a découvert le thème le 31 décembre. And I asked my wife, what does it mean? Et j'ai demandé à mon épouse qu'est-ce que cela signifie. And he said something arise for the favor of God. I said, hey, favor. Elle a dit quelque chose, lève-toi. Et j'ai entendu, elle a dit faveur. I just had to get excited by the word favor. J'ai juste été très enthousiasmé avec le mot faveur. Because then I know the prophet of the house. Parce que je sais que le prophète de la maison. Is looking for somebody to cherche be blessed. Quelqu'un pour être béni. Ah, you didn't get that. Vous n'avez pas compris cela. You see, a prophet will speak the word. Vous avez un prophète déclarera la parole. And God will bring it to pass. Et Dieu amènera à accomplissement cette parole. Et lorsqu'il a déclaré la faveur you had you in mind. Et tu as été béni. Somebody is about to be blessed. Quelqu'un est sur le point d'être béni. Oh, I can hear somebody je in the house. Je n'entends pas quelqu'un dans la maison. I can hear somebody je in the house. Je n'entends pas quelqu'un dans la there maison. There is divine favor. Il y a la faveur divine. Coming upon someone's life. Il vient sur la vie de quelqu'un. Can I shout yes? Dis oui. Amen. Amen. I want you to say it like an Englishman. Je voudrais que vous puissiez le dire comme un anglophone. How do you say shout? Crie. Crie. Yes. Crie. Say yes. Dis oui. Ah yeah. We does not it. We does not sound powerful. It doesn't sound. Yes. Yes. God has appointed somebody to be blessed this Dieu a year. Désigné quelqu'un afin qu'il soit, béni this cette year, 2020, année. Somebody will be blessed cette année 2020, Dieu, quelqu'un sera béni au-delà de ses attentes. Listen. Écoutez. You could be selling whatever you sell. Vous pouvez être en train de vendre peu importe ce que vous vendez. And for years, you are not making progress. Et pendant des années, vous n'avez fait aucun progrès. You don't understand what I'm saying. Vous ne comprenez pas ce que je dis. When divine favor finds you. Lorsque la faveur divine vous localise. When divine favor locates you. Lorsque la faveur divine vous localise. One day. Un jour. One man. Un homme. Will come to your place. Viendra à votre endroit. And ask you. Et vous demandera. What have you been selling all this while? Qu'est-ce que tu ne fais que vendre depuis tout ce temps? Are you looking for business investors? Est-ce que tu cherches un investisseur? And that is the end of you. Et ça c'est la fin you de tout ce problème. You have become a multi-millionaire. Et tu deviens un multimillionnaire. Come on, somebody shout yes! Que quelqu'un dise yes! Amen. Amen.
We are not telling stories. Nous ne racontons pas des histoires. There's a comedian pastor. There's a comedian in Ghana. Il y a un comédien au Ghana. He says he's been going to this place to crack jokes. Il dit, il est toujours, il a pour habitude d'aller à un endroit pour faire des blagues. And every year, every day he goes there. Et chaque année, chaque jour, il va à cet endroit. One day he went there. Et un jour, il y est allé. And realized that the crowd was a lot. Et il a réalisé que la foule était nombreuse. As normal, he went and he cracked his jokes. Et de manière habituelle, il a commencé ses blagues. And somebody laughed so much. Et quelqu'un a tellement ri. And the guy going said, he asked them, but who is that guy? Et la personne est allée demander, qui est cet homme? The comedian, he's very funny. Le comédien, il est très drôle. The comedy show is over. La comédie est terminée, le show est terminé. He has gotten down. Il est descendu. He has some small rickety car. Il avait une toute petite voiture étrange. That car is demon possessed. Cette voiture est possédée de démons. And the car chose that day to show its demonic powers. Et la voiture a décidé de montrer sa puissance démoniaque. He sat in the car and spat. Il s'est assis dans la voiture, a commencé à démarrer. Ça fait oui, 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 oui. For 15 minutes, he was dead. Pendant 50 minutes, la voiture faisait toujours oui, 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 oui. Then he realized that he has to push the car. Et il a réalisé qu'il devait pousser sa voiture. He got down to push the car. Et il est sorti de sa voiture pour pousser la voiture. And the guys who were in the comedy show. Et le monsieur qui était dans la salle had come out est sorti. And he saw the guy. Et il a vu le monsieur. And the guys came to him and said, "Ah, gentlemen, what is the problem?" Et le monsieur est venu vers lui et lui a demandé, "Monsieur, qu'est-ce qui?" He said, "This is my car." Il voici ma, ça c'est ma voiture. He didn't even look at who was talking to him. Il ne regardait même pas la personne qui s'adressait à lui. The person just said to him, "Ah." La personne lui a simplement dit, "Ah." Such a funny guy like you. Un monsieur aussi drôle que toi. You don't have a good car. Tu n'as pas une bonne voiture. Take my card. Prends ma carte. Call me tomorrow morning. Appelle-moi demain matin. I will give you a new car. Je te donnerai une nouvelle voiture. Listen. Écoutez, I am talking about a comedian called Funny Face in Ghana. Je parle de comédien qu'on appelle Funny Face au Ghana. And all the characters are in the story are people you know. I don't know if you know Funny Face. Je ne sais pas si vous connaissez Funny Face. But there's a guy you know. Mais il y a un homme que vous connaissez. He's called Emmanuel Shey Adebayo. On l'appelle Adebayo. How many of us know him? Est-ce que combien de personnes le connaissent? He bought the guy a brand new Range Rover. Donc, il a acheté au monsieur une nouvelle voiture, une Range Rover. Yes, that is divine favor. Ça c'est ce qu'on appelle la faveur divine. That is divine favor. C'est la faveur divine. It can meet you at a point where you are feeling so embarrassed. Elle peut vous rencontrer à un endroit où vous sentez tellement embarrassé. And in 1 minute lift you up. Et en une minute va vous relever. Oh yeah. Oh oui. You see, divine favor. Vous voyez, la faveur divine. It's a very dangerous thing. Est quelque chose de très dangereux. The Bible says. La Bible dit. Joseph actually spent less than 1 hour. Joseph a passé près de moins d'une heure. 1 hour. Une heure with Pharaoh. Avec Pharaon. And by the time the meeting was done, et jusqu'à ce que la rencontre soit terminée, he was the one ruling the whole of Egypt. Il était celui qui dirigeait toute l'Égypte. How does that happen? Comment est-ce que cela s'est passé? What will you tell a king? Que diras-tu au roi? For him to tell you that apart from me, pour que tu lui dises à part moi, everybody else is in your care. Tout le monde est entre tes mains. Think about it. What can you tell the king? Qu'est-ce que tu peux dire au roi? Divine favor. La faveur divine. Come on, tell somebody divine favor. Il y a quelqu'un la faveur divine. Tell somebody divine favor. Il y a quelqu'un la faveur divine. Just 1 hour. Juste une heure. And he was ruling the country. Et il était en train de diriger toute l'Égypte. Divine favor is dangerous. Donc la faveur divine est dangereuse. The prophet Samuel. Le prophète Samuel. The Bible says his words don't even fall to the ground. La Bible dit que ses paroles ne tombaient pas au sol. If he tells you tomorrow morning, by the time you lift up your hand, there is 100,000 sefa. S'il te dit que demain matin, dès que tu lèves ton pied, il y aura 100,000. Ne t'amuse pas. You will lift up your leg. Tu soulèveras ton pied. Et ce sera là. Because the Bible says his words don't fall to the Parce que la Bible déclare que ses paroles ne tombaient pas au sol. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. Samuel is in the house. Quelqu'un est dans la maison. And when he got to the house. Et lorsqu'il rentre dans la maison. He said, "I am looking for David." Il dit, je cherche David. Look, if we don't see David. Si nous ne voyons pas David. We will not sit down till he comes. Ne nous asseyrons pas jusqu'à ce qu'il arrive. They give David a standing ovation. Ils ont donné à David des applaudissements. You don't understand. David was in the forest. David était dans la forêt. He was not in the bush. Il n'était pas dans la dans. No, bush is bush, small grass. Il n'était pas au milieu de l'herbe. You can find some at the back of the house. Vous pouvez trouver de l'herbe au niveau de derrière votre maison. He was in the forest. Il était dans la forêt. That is where you find lions and bears. C'est là où vous trouvez des lions et des ours. Nobody has seen a lion at the back of their house. Personne n'a jamais vu un lion derrière sa maison. Amen. Amen. Yeah. And they said, "We are not sitting down." Et ils disent, nous ne nous asseyrons pas. So if it takes
David 2 hours to get here, alors si David doit être ici en 2 heures, we will not sit down, nous ne nous asseyrons pas until David gets here. Tant qu'il n'est pas encore arrivé no, somebody, ici. I am speaking to je you m'adresse tonight. À quelqu'un ce matin. If you are hearing my voice, en tant que si tu écoutes and ma you voix are in this house, Bethel, et que tu es dans cette maison Bethel sous ce thème de la faveur divine, you will be celebrated, tu seras célébré cette année. God will celebrate you, Dieu this te year. Célébrera cette année. You will stand in ovation. Dieu this te célébrera et t'applaudira cette année. Amen. Amen. Oh, I am just affirming the prophecy. Je ne fais qu'affirmer la prophétie que votre pasteur a donnée, que votre pasteur a partagée. Yeah. Oui. I don't have a new word. Je n'ai pas une nouvelle parole. I don't have a new word. Je n'ai pas une nouvelle parole. I am a chicken at an eagle's conference. Je suis un poulet au milieu des aigles. When they say let us fly, lorsqu'ils disent volons, I don't fly anywhere. Je ne vais nulle part. The word said divine favor. La Bible, il est écrit divin. And it was declared over your life. Et elle doit venir sur ta vie. I just came to explain it. Je suis simplement venu t'expliquer cela. Just in case you didn't get it. Juste au cas où tu ne l'as pas compris. And so maybe the whole month of January has passed. Peut-être que durant by. Tout le mois de janvier, and you didn't activate it in tu n'as your pas life. Activé cela dans ta vie. Amen. Amen. See, Esther. Esther. The Bible declares of Esther. La Bible déclare au sujet d'Esther. I was reading the account. J'étais en train de lire le compte rendu. Abu Shadaha. Look. The Bible says that there was a procedure for them, all the women who wanted to be queen. La Bible dit qu'il y avait une procédure à suivre pour toutes les jeunes filles qui voulaient devenir reines. To follow. Une procédure à suivre. Do you know that it including the fact that some of them actually had to come to the king's bedroom? Vous savez, est-ce que vous savez que cela incluait également le fait que chacune, certaines d'entre elles devaient rentrer dans la in chambre the du morning, roi? They would go. Et le matin, elles s'en iraient. And if the king remembers them, et si le roi se souvenait d'elles, which means the king enjoyed their presence. Donc, ce qui signifie que le roi a pris plaisir de leur présence. I hope you understand that. J'espère que vous comprenez ce que je dis. If you spend the night in the king's bedroom, si vous passez la nuit dans la and chambre you wake du roi, up the morning after, et que tu te réveilles le lendemain, and you go home, et que tu t'en vas à la maison, but the king remembers you, et que le roi se souvienne de toi, because he enjoyed you, parce qu'il a pris then plaisir, he will call you back. Alors il te rappellera. Amen. Amen. If you read the Bible, si vous lisez la Bible, the moment Esther stepped into the king's presence, à l'instant où Esther est rentrée dans la présence du roi, she didn't get to the bedroom. Elle n'est pas arrivée au niveau de la chambre. When she got there, lorsqu'elle était simplement en sa présence, she was made queen. Elle a été faite reine. When she got there, lorsqu'elle est entrée, she was made queen. Elle a été faite reine. I see somebody. Je vois quelqu'un. Under the sound of my voice. Sous le son de ma voix. You go looking for a contract. Tu iras chercher un contrat. They say, come and bid the contract. Viens et signe ce contrat. But when they see your face. Mais lorsqu'ils verront votre visage. And the favor upon your life. Et la faveur sur votre vie. They'll tell the rest you can go home now. Ils diront aux autres, vous pouvez rentrer. Nous avons trouvé la personne que nous cherchions. Who am I speaking to tonight? À qui est-ce que je m'adresse ce matin? Shout yes. Dis yes. Come on, say yes. Dis yes. Amen. Amen. Favor has a way of disrupting the rules. La faveur a une manière de changer les règles. You may think you need too many people to favor you. Vous pouvez penser que vous avez besoin de plusieurs personnes pour vous favoriser. But you just need one man. Mais vous n'avez besoin que d'un seul homme. God can just use one man. Dieu peut simplement utiliser un seul homme. Amen. Amen. So now let's try and tackle favor properly. Donc essayons de parler de la faveur autrement ou autrement. I've just been trying to introduce my topic and j'essayais juste de faire l'introduction de mon thème. Warm up small. Essayer de m'échauffer un peu. Amen. Amen. I haven't felt like this since I left Ghana 5 months ago. Je ne me suis pas senti ainsi depuis que j'ai quitté le Ghana, ça fait 5 mois. Amen. Amen. Can I feel at peace? Est-ce que je peux être en paix? Can I feel at home? Est-ce que je peux me sentir à la maison? Can I feel at home? Est-ce que je peux me comporter comme à la Amen. Maison? So favor, alors la faveur is so crucial, est tellement cruciale that the Bible declares that even Jesus, que la Bible déclare que même Jésus, Son of God, Fils de Dieu, needed favor. A eu besoin de la faveur. Let it sink into your head. Laissez que cela descende dans votre esprit. Jesus, Jésus, the word of God, la parole de Dieu. When you read the book of John, lorsque vous lisez le livre de Jean, John said, Jean dit, in the beginning, au commencement was the word. Était la parole. So from the beginning, Jesus was there. Alors depuis le commencement, Jésus était là. It says, and that word, et il dit que cette parole was with God. Était avec Dieu. He was with him. Elle était avec lui. And that word, et cette parole wasn't just
be there in the beginning. Il n'était pas seulement là au commencement. Wasn't just there with him. Mais il n'était pas seulement là avec that lui. That word was God. Cette parole était Dieu. But that word came on this earth. Mais cette parole est venue sur cette terre. When he landed on earth. Lorsqu'il est descendu sur terre. He needed two things. Il a eu besoin de deux choses. He needed the anointing. Il a eu besoin de l'onction. And he needed the favor. Et il a eu besoin de la faveur. Tell somebody you need the anointing. Dis à quelqu'un tu as besoin de l'onction. And you need the favor. Et tu as besoin de la faveur. Go with me to the book of Luke. Allons-y ensemble dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc. Kabosha, now I can start preaching. Luke chapter number 2. Luc chapitre 2. The verse number 50. Hold on. 52. Luc chapitre 2 verset 52. It is the last chapter, last verse in the on the chapter. Luke chapter number 2. The verse number 52. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 verset 52. C'est what le I want you verset. To notice in this verse. Ce que j'aimerais que vous puissiez retenir. Is the favor. Who did he need it from? That's what I want you to take notice of it. God, the Bible says he needed favor. La Bible dit qu'il a eu besoin de la faveur. That one we have settled. Nous avons résolu cela. If you are on this earth, si vous êtes sur cette terre, you need the anointing. Vous avez besoin de l'onction. You need favor. Vous avez besoin de la faveur. Can we settle on that? Est-ce que nous sommes ok avec? Good. Now, who did he need it from? Et pourquoi est-ce que qu'on a besoin de l'onction et de la faveur? That is my subject today. Voici, c'est mon sujet aujourd'hui. So read that. Je lis la parole de Dieu, Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. I don't like your version. It said grâce. Okay. Grâce is grace, hein? La grâce, c'est grâce. Grâce is grace. Grace. Okay, yeah. No problem. Because problème. The Bible uses grace. Parce que la Bible utilise grâce. Sometimes and uses favor sometimes. Et parfois elle utilise également faveur. So now let us define the two of them. Donc essayons de définir ces deux choses. Grace. La grâce. Is undeserved. Est quelque chose qu'on ne mérite pas. Favor. La faveur. Did you see the word has appeared? Okay. Grace. La grâce. Is undeserved favor. Et la faveur imméritée. Amen. So when you don't work for something, lorsque vous ne travaillez pas pour quelque chose, you get grace. Vous recevez la grâce. If you work at the end of the month, si vous travaillez à la fin du mois, and then you go home with a paycheck, et que vous allez à la maison avec un chèque, it is not because your boss likes you. Ce n'est pas parce que votre patron vous aime. You worked for it. Parce que vous avez travaillé pour cela. Amen. Amen. So that is not called grace. Donc ceci n'est pas appelé la grâce. But when you don't work for it, mais si lorsque vous ne travaillez pas pour cela, and then you receive the thing, et que vous recevez la chose, that is grace. Ça c'est la grâce. So the Bible says, by grace are we saved. Donc la Bible dit qu'on par la grâce nous sommes sauvés. Not our works. Donc ce n'est pas par nos œuvres. So nobody can lift up his shoulders. Alors personne ne peut élever ses épaules. Because it is the gift of God. Parce que c'est un don de Dieu. Ask somebody, do you have that gift of God? Demande à quelqu'un, est-ce que tu as ce don de Dieu? Do you have the gift of salvation? Est-ce que tu as le don du salut? Do you have the gift of salvation? Est-ce que tu as le don du salut? Amen. Amen. Because grace is a gift. Parce que la grâce est un cadeau. Amen. Amen. However, favor is how do I even say it? It is pushing you beyond the line. Alors que la faveur vous emmène au-delà des limites. It is receiving something unprepared. C'est recevoir quelque chose qu'on n'a pas prévu de recevoir. Amen. Ou qu'on n'est pas préparé à recevoir. You work for grace. Vous avez travaillé pour la grâce. No, you don't work for grace. Non, vous ne travaillez pas pour la grâce. Grace is given as a gift. La grâce est donnée telle un don. But favor. Mais la faveur. You can receive favor for working for or not for working for. Vous pouvez recevoir la faveur du fait que vous ayez travaillé ou que vous n'ayez pas travaillé. Aha. That is where the issue is. C'est là où le problème, c'est à ce niveau que se situe le problème. Je m'adresse à certains chrétiens. And speaking to them about favor. Et je leur parle de la faveur. The favor is just like grace. Mais la faveur est juste comme la grâce. You don't work for grace, you don't work for favor. Vous ne travaillez pas pour la grâce, vous ne travaillez pas pour la faveur. That is your problem. Si je dis que c'est ça votre problème. That is your problem. C'est ça votre problème. When you read the Bible, you wear dark glasses. When you read the Bible. Lorsque vous lisez la Bible, you wear dark glasses. Vous portez ces lunettes. The glasses are selective. Et vos lunettes sont très sélectives. It sees what you want to see. Vos lunettes voient ce que vous voulez voir. Amen. Amen. Today I came to enlighten someone. Aujourd'hui, je suis venu éclairer quelqu'un. So that you could attract divine favor. Afin que tu attires la faveur divine. So that you can activate divine favor. Afin que tu actives la faveur divine. Amen. Amen. The Bible says, and Jesus grew
in wisdom, la Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature, and in favor, et en faveur with, avec God, Dieu and et man, les hommes. You see how I put a stress there? Est-ce que vous voyez comment est-ce que j'ai mis la pression là-dessus? Because the favor was not with God only. Parce que la faveur n'était pas seulement avec Dieu. The favor was with God. La faveur était avec Dieu and man. Et avec les hommes. Yes. Oui. Here on earth, sur terre, God cannot desire you to be favored. Dieu peut te former, entre autres, pour être favorisé. But you will not find a man to favor you. Mais il ne trouvera pas un homme pour te favoriser. Oh yeah. Oh oui. God can desire to favor you. Dieu peut désirer de te faire faveur. Yeah, because the Bible says, I wish above all things that you prosper. Parce que la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. So the heart of God wants you to prosper. Donc le cœur de Dieu voudrait que tu prospères. But did you read in Ezekiel where he said, I sought for a man to stand in the gap? Est-ce que vous avez lu dans Ezekiel où on dit, je cherche un homme qui se tiendrait à la brèche? He was looking for somebody. Il cherchait quelqu'un. But there was none. Mais il n'y avait personne. Amen. Amen. Favor with God. La faveur avec Dieu comes in two ways. Vient en deux sur deux, deux the primary way de deux manières. La première manière that qualifies anybody to receive the favor qui qualifie toute personne pour recevoir la faveur de Dieu is receiving Jesus. C'est le fait de recevoir Jésus. So if tonight you are seated here, donc si aujourd'hui tu es assis ici under the sound of my voice, au son de ma voix and you do not have Jesus, et que tu n'as pas Jésus, you are not part of what we are talking about. Tu ne fais pas partie de ce dont on est en train de parler. I am very sorry. Je suis très désolé. I am trying to be very nice. J'essaie d'être très gentil. But you are not part. Mais tu ne fais pas partie. Because the primary way, parce que la première manière for anyone to receive the favor pour que toute personne reçoive la faveur de Dieu is for that person to have received Jesus. C'est que cette personne ait d'abord accepté Jésus. Amen. 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 All right. You move mountains. You cause walls to fall. With your power, you perform miracles. There is nothing that's impossible. And we stand in here only because you make a way. You move mountains. You cause walls to fall with your power. Hallelujah. You perform miracles, and there is nothing that's impossible. And we stand in here only because you made a way. Amen. Amen. And so salvation qualifies anyone. Alors le salut qualifie toute personne to receive favor from God. Afin de recevoir la faveur de Dieu. Amen. Amen. God is not complicated. Dieu n'est pas compliqué. It ends there. Et cela s'arrête là. But man is complicated. Mais l'homme est compliqué. Uh-huh. Mm-hmm. Yeah. Oui. So favor with God comes by salvation. Alors la faveur avec de Dieu vient avec au travers du salut. But favor with man comes by love. Mais la faveur avec les hommes vient avec. And many of us have lost favor. Et plusieurs d'entre nous ont perdu la faveur. Not because God did not wish favor for us. Pas parce que Dieu n'a pas souhaité la faveur pour nous. But because we lost favor with man. Mais parce que nous avons perdu la faveur auprès des hommes. And that is where the Christian. Et c'est là où les chrétiens. Of today is losing out. C'est là où le chrétien d'aujourd'hui est en train de se perdre. I'm about to unlock some keys for you. Je suis sur le point d'ouvrir certaines clés, I'm about certaines to give portes. You some keys, je suis sur le point de vous donner certaines clés that if you take seriously, que si vous prenez ces clés, si vous prenez ces clés sérieusement, this year 2020, cette année 2020, you will walk with favor with God, vous marcherez man. Dans la faveur avec Dieu and man. Et avec les hommes. Amen. Amen. Key number one. La première clé. And this particular key. Et cette clé. Is one that a lot of people just forget.
C'est la clé que plusieurs personnes n'aiment carrément pas. Key number one. La première clé. Honor. L'honneur. Understand honor. Comprenez ce que c'est que l'honneur. Amen. Amen. I noticed about 3-4 times the Bible had said, children, obey your parents, honor your father and your mother. J'ai remarqué dans la Bible près de 3 ou 4 fois où on dit, enfants, obéissez à vos parents, honorez vos parents. Very, very important. Très, très important. Because he actually says, for your days will be long. Parce qu'il est écrit encore que vos jours seront longs. Et tout ira bien avec vous. So many times we are thinking that you see, you have to honor your father and your mother. That's what the Bible says. Plusieurs fois nous pensons simplement que nous devons honorer notre père et notre mère. C'est ce que la Bible dit. But did you realize he said obey your parents? Est-ce que vous avez réalisé qu'il est écrit obéissez à vos parents? And then he came to define mother and father. Et il est venu définir père et mère. So there's parents. Il y a parents. And there's father and mother. Il y a père et mère. Ah. Mm-hmm. Many of us have not looked at it. Plusieurs d'entre nous n'ont pas encore fait attention. It's not talking about the same group of people. On ne parle pas du même groupe de personnes. Obey your parents. Obéissez à vos parents. Honor your father. Honorez votre père. Who is a father? Qui est un père? What does a father do? Qu'est-ce qu'un père fait? What makes one a father? Qu'est-ce qui fait d'un homme un père? A father is a giver of seed. Le père est celui qui donne la semence. So you would not have had a church to be in. Donc vous n'auriez pas eu une église dans laquelle vous seriez. You would not have had life. Vous n'auriez pas la vie. In a particular way. Dans d'une certaine manière. If someone did not sow a seed. Si quelqu'un n'avait pas semé une semence. Amen. Amen. You are in a department. Vous êtes dans un département. Have you seen a department sitting down on the tree? Are you a church? No, we are departments. Vous ne voyez pas des départements sur au niveau des arbres. Et puis on demande est-ce que vous êtes une église? Ils disent non, nous sommes un département. Have you seen that before? Est-ce que vous avez déjà vu cela? Every department is in a church. Chaque département est dans une église. Tout département est dans une église. Amen. Amen. A seed is given by a father. La semence est donnée par un père. So then a father is one that makes you come into existence. Donc le père est celui qui fait en sorte que vous veniez à l'existence. A father can be someone who recognized your life. Un père peut être quelqu'un qui reconnaît votre vie. You were nobody amongst all the children at the back there. Vous n'étiez rien parmi tous les enfants qui étaient au fond. But he stretched forth his hand and brought you. Mais il a mis sa main vers vous et vous a fait sortir. That is a father. Ça c'est un père. Amen. Amen. Am I speaking the word of God? Est-ce que je parle de la parole de Dieu? I have learned one particular French whenever I come for Bible studies. Eh? J'ai appris un mot en français à chaque fois que je viens à l'étude biblique. They say something like est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Oh, I learn. J'ai appris ça plutôt. And there's one particular thing I will take away to Ghana. Et il y a quelque chose de particulier que j'emmènerai au Ghana. It is when Pastor Félix is preaching. Eh? C'est lorsque Pasteur Félix prêche. And he says something very strong. Et il dit quelque chose de très puissant. Then you say something like this. Ah oui 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 oui. Oh, when I get to Ghana. J'emmène ça au Ghana. Honor is crucial. L'honneur est quelque chose de crucial. Now let me borrow Pastor Felix's words. Donc laissez-moi emprunter quelque chose de Pastor Felix. Honor is crucial. L'honneur est crucial. Ah oui 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 oui. Amen. Amen. Many of us have lost favor because of dishonor. Plusieurs d'entre nous ont perdu la faveur à cause du déshonneur. You know, it's the problem of Africa. C'est le problème de l'Afrique. I have heard people argue. J'ai entendu plusieurs personnes argumenter. That it is the curse of Noah on his son. Que c'est la malédiction de Noé sur son fils. Il a maudit le fils de Cham. Because the Bible doesn't say he cursed Ham. La Bible ne dit pas qu'il a maudit Cham. He said cursed be Canaan. Il dit maudit soit Canaan. Le fils de Cham. When you read the Bible, lorsque vous lisez la Bible, very well. Lisez très bien. Amen. Amen. Il dit que Canaan soit maudit. Son of Ham. Fils de Cham. But you see, you don't understand. It's a precedence. Donc vous ne comprenez pas. What Ham did.
ce que Cham a fait, that brought a curse on his son. Qui a porté la malédiction sur son fils. If you do it, si vous le faites, it will bring a curse on your son. Cela apportera la malédiction sur votre Simple. Fils. Ce que ça signifiait simplement. What did Ham do? Qu'est-ce que Cham a fait? He dishonored his father. Il a déshonoré son père. He dishonored his father. Il a déshonoré son père. Is that not what Africans have done? Et c'est pas ce que l'Afrique a fait? N'est-ce pas ce que l'Afrique a fait? Like Ghana. Regardez un pays comme le Ghana. Look, there were a lot of people who fought for independence. Il y avait plusieurs personnes qui ont combattu pour l'indépendance. But in the struggle, they realized that look, we need someone. Mais dans la lutte et autres, ils ont réalisé qu'on a besoin de quelqu'un. To come and lead this particular revolution. Qui viendra nous leader dans cette révolution. So they stretched forth their hand to the United States. Alors ils ont étendu leurs mains vers les États-Unis. And bring one young man called Kwame Nkrumah. Et ils ont emmené un jeune homme appelé Kwame Nkrumah. Say, come and lead this thing. Il vient et lead pour nous. And that young man. Et ce jeune homme holds the hands of elderly people. A pris les mains des vieillards. And fights for independence. Et a combattu pour l'indépendance. And when he finishes that. Et lorsqu'il a terminé cela. What do the country do? Qu'est-ce que le pays a fait? We dishonored him. On l'a déshonoré. That's Black Africa. Ça c'est l'Afrique. And if you look along the West African to the other, that is our problem. Et si vous regardez en Afrique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est notre problème. Nous déshonorons nos leaders. We dishonor our leaders. Nous déshonorons nos leaders. Some of us go to work. Certains d'entre nous vont au travail. And the same place we work and get salary. Et au même endroit où nous travaillons et nous recevons notre salaire. The same boss who established the company that pays you. Le même patron qui a établi sa compagnie et qui vous paye. When you walk out of that place. Lorsque vous sortez de cet endroit. You tell somebody that place. Tu dis à quelqu'un cet endroit. That woman. Cette femme. That man. Cet homme. But you will come there tomorrow. Mais tu viendras là-bas, tu viendras ici demain. Some of us speak so badly of department leaders. We insult them. Certains d'entre nous parlent tellement mal. Les leaders de département, ils les insultent. Some of us speak evil about our. Certains parlent, déclarent des paroles méchantes concernant ces personnes. Dishonor. Le déshonneur. Dishonor. Le déshonneur. And so when there is a meeting and somebody says, "Oh, I have identified this young man. We want to then get that boy." Et lorsqu'il y a une rencontre et tout le monde est en train d'échanger, un monsieur dit, voilà, j'ai identifié cet homme. Et quelqu'un se lève et dit, cet homme. That boy, cet homme. He is full of dishonor. Il est plein, cette personne est pleine de déshonneur. How many honorable doors have you lost because of dishonor? Combien est-ce que de portes honorables as-tu perdu à cause du déshonneur? How many times have God opened a door of divine favor but because of your dishonor? Combien de fois est-ce que Dieu a ouvert les portes de l'honneur et à cause de ton déshonneur, tu n'y es pas entré? Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Amen. Amen. Dishonor. Le déshonneur. Look, if you plant the seed of dishonor. Écoutez, si vous semez la semence du déshonneur. You will not like the fruit. Vous n'aimerez pas le fruit. Honor is simply discerning. How do you use the word? What's discerning in French? Discerner. Discerner, je pense. To give someone, right? No, discern is to understand. Is to understand without being told who someone is. Okay. Donc l'honneur, c'est discerner. Okay, discerner. To discern. Ah. Some other English people are here. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. So to honor is to discern. Donc honorer c'est discerner. So you see, let me give you an example. Donc laissez que je vous donne un exemple. Elisha is working with a man called Elijah. Donc Élisée marche avec un homme appelé Élie. Remember that I said that Elisha is working with a man called Elijah. Donc souvenez-vous que j'ai dit Élisée marche avec un homme so appelé Elijah Élie. Is not a spirit. Donc Élisée n'est pas Élie n'est pas un esprit. He's a man. C'est un homme. Good. The sons of the prophets, les fils des prophètes, they see the same man that Elisha is walking. Ont vu le même homme avec lequel Élisée marchait. Elisha is way older than all of them, including Elijah. Élie est plus vieux que tous, Élisée inclus.
Elisha is older than Elijah. Élie est plus vieux qu'Élie. And he's following this man. Et il suit cet homme. And they are going towards a place that he said, "I'll be lifted away." Et ils vont vers l'endroit où il dit, dont il a parlé en disant que je serai enlevé. The sons of the prophets see Elisha following Elijah. Les fils de prophètes des prophètes voient Élisée suivre Élie. And they tell Elisha, "Do you know your master will be taken away?" Et ils disent à Élisée, "Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé?" So stay behind, let him go. Donc reste derrière et laisse-le partir. You see, the funny thing is this. Elijah told Elisha. Donc la chose étrange est la suivante. Élie a dit à Élisée. He said, "If you see me." Si tu me vois. Ah, was he not looking at him already? Est-ce qu'il ne le voyait pas déjà? Est-ce qu'il ne le regardait pas why déjà? Why was he saying, "If you see me"? Pourquoi est-ce qu'il disait, si tu me vois? Let me tell you. Laissez-moi vous dire. Sometimes human beings are multidimensional. Parfois, les êtres humains sont multidimensionnels. Because we are made in the image of God. Parce que nous sommes créés à l'image de and Dieu. God is multidimensional. Et Dieu est multidimensionnel. Amen. Amen. So you see the man of God sitting there. Vous voyez l'homme de Dieu assis ici. He's a man. Est un homme. He has a wife. Il a une épouse. But when that man of God rises up and blesses you. Mais lorsque cet homme de Dieu se lève et te bénit. It can change your life as though God himself blessed you. Cela peut changer ta vie comme si c'est Dieu lui-même qui t'avait béni. That will be because you understood the dimension in which he stood to bless you. Ça ce sera parce que tu aurais compris la dimension dans laquelle il se serait levé pour te bénir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen. Understanding the dimension of a man. Comprenons la dimension de l'homme. And honoring that man. Et honorer cet homme. Is very important. Est très important. The story is told. Il y a une histoire. Of a pastor who was standing in church. Au sujet d'un pasteur qui était dans une église. And the man was ministering and they were anointing all over the place. Et il était en train de rendre ministère et il y avait l'onction dans toute la salle. Breakthrough all over the place. Des miracles dans toute la salle. And the people were getting blessed. Et le peuple était en train d'être béni. Then his wife et son épouse got up from the front seat s'est levée de sa and place walked out. Et est sortie. And everybody was wondering, "Hey, what is happening?" Et tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? So the man finished the service. Donc le monsieur a terminé le culte. He did some counseling and whatever he would il a fait, il a donné, il a eu des entretiens et a fait ce qu'il avait à faire. And went home. Et il est rentré à la maison. Met his wife. "Are you okay?" Il a rencontré sa femme et lui a dit, est-ce que tu vas the bien? Didn't say anything. La femme ne lui a rien dit. She brought her food. Elle a apporté sa nourriture. The food for the man of God. La nourriture pour l'homme de Dieu. This time around, et cette fois-ci, it was in some nice bowl. C'était dans de beaux vases, de beaux plats, pardon. Served the man a 3-4 course meal. A servi le monsieur près de 3-4 repas. So when he brought the last plate, displayed it nicely on the table. Et tout était bien positionné sur la table. The husband said, "Somebody, are we getting a visitor?" Le monsieur a demandé, est-ce qu'on aura de la visite? He says, "No, that is your food." Il dit non, c'est ta nourriture. When she finished, she bent down on her. Lorsqu'elle a fini, elle s'est agenouillée. Then she didn't say my husband. Elle n'a pas dit mon mari. She said man of God. Elle a dit homme de Dieu. My family needs breakthrough too. Ma famille a besoin également d'une percée. Because all that while the problem, the blessing on the man of God was healing, she had the same problem in the house. Donc parce que durant tout ce temps, le problème dans lequel l'homme de Dieu était en train d'intervenir et de déclarer des paroles de guérison, elle avait le même problème également dans sa maison. How many doors are your dishonoring closing? Combien de portes est-ce que ton déshonneur ont fermé ou t'ont fait perdre? Dishonor. Le déshonneur. Whenever you dishonor the gift of God, toutes les fois que tu déshonores le don de Dieu, you wave it bye bye. Tu lui dis bye bye, au revoir. If you are here, you are not married. Si tu es là et que tu n'es pas marié, and you talk and dishonor other married people, et que tu parles mal et déshonores certains hommes et certaines personnes mariées, it is possible you are waving marriage bye bye. C'est possible que tu sois en train de dire au mariage bye bye, au revoir. Ah oui, 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 oui. Yeah. Amen. Amen. Because of time, I want to move on. À cause du temps, j'aimerais aller un peu plus rapidement. I have about 5-6 points, but if I'm able to give you 3, that's fine. J'ai près de 5 à 6 points, mais je vous donnerai 3, si ça peut aller. Amen. Amen. It's my last Sunday here. C'est mon dernier dimanche ici. So I'm taking my time to bless you as much as I can. Alors je prends mon temps pour vous bénir autant que je peux. Amen.
Are you getting blessed at all? Est-ce que vous êtes béni depuis ce moment? Point number two. Le point numéro 2. Key number two. La deuxième clé. Value. La valeur. Value. La valeur. If you read a book of Proverbs, si vous lisez le livre de Proverbes, the chapter number 18, the verse number 16. Proverbe 8, verset 16. It says, a man's gift, le don d'un homme, will make room for him, ouvrira des portes, créera des portes, ouvrira des portes pour lui, and bring him before kings. Et l'emmènera auprès des rois. Amen. Amen. If you read Proverbs 22, verse 29, si vous lisez Proverbe 22, verset 29, it says, "Seeth a man diligent in all his works." Si vous voyez un homme diligent dans ses œuvres, that man will stand before kings. Cet homme se tiendra auprès des rois. Amen. Amen. So they are looking for someone. Donc ils cherchent quelqu'un. To interpret dreams. Pour interpréter des rêves. And they go for someone who has been interpreting dreams. Et ils vont vers quelqu'un qui a passé son temps à interpréter des rêves. That guy has been interpreting dreams. He put him into trouble, but he's still interpreting dreams. Le monsieur a toujours été en train d'interpréter des rêves et ils l'ont mis dans des problèmes, mais il a continué à interpréter des he rêves. He started interpreting dreams. Il a commencé à interpréter des rêves. His own dream. Ses propres rêves. And his brothers sold him. Et ses frères l'ont vendu. He went to Potiphar's house. Il allait dans la maison de Potiphar. They put him in prison. Ils l'ont mis en prison. He is still interpreting dreams. Il est toujours en train d'interpréter les rêves. So by the time he gets to Pharaoh. Donc jusqu'à ce qu'il arrive vers Pharaon, he's a master dream interpreter. C'est un homme très expérimenté dans l'interprétation des rêves. Yeah. There is value on his life. Il y a de la valeur sur sa vie. So why did they bring him out of the prison? Donc pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait sortir de prison? Because he's a dream interpreter. Parce qu'il est un interpréteur de rêves. You have finished school. Vous avez terminé des études? Looking for job. Vous cherchez un emploi? Say, I'm looking for a work. Je cherche un emploi. I'm not getting it. Je ne le trouve pas. When someone meets you and asks you what is your value, what will be your answer? Lorsque quelqu'un vous rencontre et vous demande quelle est votre valeur, quelle est la réponse que vous donnez? What is your value? Quelle est votre valeur? You say, oh, I have a second degree. I have a first degree. Oh, j'ai une licence, j'ai un master. He didn't ask you for that. Il ne t'a pas demandé cela. What is your value? Quelle est ta valeur? What are you good for? Qu'est-ce que tu sais bien faire? If I brought you into my company, what are you good for? Si je t'apporte dans ma si je t'emmène dans ma compagnie, dans quoi est-ce que tu es bon ou tu t'en sors? You are looking for a husband. Tu cherches un époux. What are you good for? What is your value? Quelle est ta valeur? Dans quoi est-ce que tu es? I went to preach somewhere. Je suis allé quelque part prêcher. A young lady walked to me and said, "Pastor." Une jeune fille s'est approchée de moi et m'a dit, pasteur, I also believe in God to marry a pastor. Je crois aussi que Dieu me donnera pour mari un pasteur. I turned and looked and said, what are you good for? Je me suis retournée, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu sais bien faire? Pastors receive visitors. Les pasteurs reçoivent des visiteurs. You can't even cook chep. Tu ne peux même pas préparer le chep. Hi. Hi. They say fry egg, it's burnt. On te demande de faire une omelette et c'est brûlé. Hey. Tell somebody this year, put some value on your life. Dis à quelqu'un cette année, ajoute de la valeur à ta vie. Learn something. Apprends à faire quelque chose. Learn something. Apprends à faire quelque chose. Add to your knowledge. Ajoute quelque chose à ce que tu sais. Did you know that the king Saul? Est-ce que vous saviez que le roi Saül? Sent for the son David. A envoyé chercher David. It says David. He sent to Jesse. He said, Jesse, let your son David come to me. Il a dit à Jesse, laisse ton fils venir vers moi. And play the instrument before me. Afin qu'il joue de la harpe devant moi. Because he has found favor in my sight. Parce qu'il a trouvé faveur devant moi. If David didn't know how to play that instrument, where was he going? Si David ne savait pas jouer de cet instrument, où est-ce qu'il irait? What is your value? Quelle est ta valeur? 2020, you are looking for favor for God, from God and man. What are you good for? En 2020, tu cherches la faveur devant Dieu et devant les hommes. Mais dans quoi est-ce que tu es bon? Back in Ghana, I have seen this so many times. Au Ghana, j'ai vu cela plusieurs fois.
You will meet some ladies at the prayer meeting. Vous allez rencontrer des femmes lors de la prière. Some young men at prayer meeting. Des hommes également à la prière, à la rencontre de prière. And there we can have all day and all night prayers. Donc là, nous pouvons avoir toute la journée, some toute la nuit la prière. Is crying to God. Une femme est en train de crier à Dieu. Give me a husband. En train de pleurer et dire, Seigneur, donne-moi un mari. But you can't even stand 15 centimeters away from her. Mais tu ne peux même pas te positionner auprès d'elle pendant 15. 15. Pour 15, enfin, pour une, à une distance de 15 cm ou 15 mètres d'elle. 15 cm d'elle. Her aroma is all over the place. Son odeur envahit toute la pièce. Ah oui, 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 oui. Yeah. At least learn to do something to add value to you. Au moins, commence à prendre quelque chose pour ajouter de la valeur à ce que tu sais faire. This year, if you're going to obtain favor from God and man, cette année, si tu veux avoir la faveur devant Dieu et devant les you hommes, must be good for something. Tu dois être bon dans quelque chose. Amen. Amen. Place your hand on your head. Mets ta main sur ta tête. And say, I receive et dis, the je reçois l'esprit de l'honneur. Say, I receive the spirit of honor. Dis, je reçois l'esprit de l'honneur. Say, I receive the spirit of value. Dis, je reçois l'esprit de la valeur. Say, this year, dis, cette année, I will add value to my life. J'ajouterai de la valeur à ma vie. Say, this year, dis, cette année, I receive the spirit of honor. Je reçois l'esprit d'honneur. Amen. Amen. Can I give my last? Est-ce que je peux vous donner ma dernière clé? Or then I'll add maybe one bonus one. Peut-être que j'ajouterai une autre. Key number three. La troisième clé. Integrity. L'intégrité. Tell somebody integrity. Dis à quelqu'un l'intégrité. Amen. Amen. David was brought. David avait été emmené. Anointed. Oint. To be king. Pour être roi. Listen, he was anointed to be king when he was not yet. There was already a king on the throne. Il avait été oint pour être roi pendant qu'il y avait déjà un roi sur le trône. So there was a distance between the day he was anointed. Donc il y a une distance entre le jour il a été oint and the day he took over as king. Et le jour il a été établi. And when the one who noticed, look, you are about to replace me. Donc celui qui s'est rendu compte qu'il est sur le point de me remplacer. He started pursuing to kill David. Il a commencé à le pourchasser afin de le tuer. One time he pursued him into a cave. Un jour, il l'a poursuivi vers une cave. And he was tired and went to sleep. Et il était fatigué, il est allé s'endormir. David came and saw the man sleeping. David est arrivé, a vu le monsieur en train de dormir. And listen, because of honor. Écoutez, à cause de l'honneur. Because of the value on his life. À cause de la valeur sur sa and vie. And because of the integrity he had. Et à cause de l'intégrité qu'il avait. He said, I am not going to touch this man. Il dit, je ne vais pas toucher cet homme. I am the one supposed to be king. Je suis celui qui est supposé être roi. If he dies, s'il meurt, I become king. Je deviens roi. But I'm not going to help him die. Mais je ne vais pas l'aider à mourir. Oh yes. Oh oui. I'm not going to help him die. Je ne vais pas l'aider à mourir. Why? Because this is an anointed of God. Pourquoi? Parce que cet homme était oint de Dieu. Joseph in the house of Potiphar. Joseph dans la maison de Potiphar. The Bible says that Potiphar had given him everything. La Bible dit que Potiphar lui avait tout donné. He said the only thing Potiphar was cared, what he cared about. La seule chose dont Potiphar s'inquiétait. Was what he was going to eat. C'était ce qu'il était sur le point de manger, ce qu'il devait manger. That was all he thought about. C'était ce à quoi il pensait. Every other thing he didn't care. Toutes les choses qui étaient dans la maison, il ne s'en occupait pas. Everything was in the hands of Joseph. Tout était entre les mains de Joseph. So when his wife came. Alors lorsque sa femme est arrivée. And saw the guy was handsome. Et a vu que le monsieur était beau. And saw how God had blessed him. Et a vu comment est-ce que Dieu l'avait béni. She said, "Come and lie with me." Elle a dit, "Viens et couche avec moi." And you know that could have been a good opportunity. Est-ce que vous savez que cela aurait pu être une bonne opportunité? Yeah, she could open doors for him. Elle ouvrirait des portes pour lui. She had already opened one door for him. Elle avait déjà ouvert une porte pour lui. He said, "Come and lie with me." Et viens et couche avec moi. Amen. Amen. But listen to Joseph's response. Mais écoutez la réponse de Joseph. He said, "I cannot do this great sin against God." Il dit, "Je ne peux pas commettre ce grand péché contre Dieu." And against my master. Et contre mon maître.
That was a man looking for favor with God and man. Ça c'était un monsieur qui un homme qui cherchait la faveur avec Dieu et avec les hommes. You see, integrity does not need laws. L'intégrité does not need laws. L'intégrité n'a pas besoin de loi. Because as at the time Joseph was speaking. Parce que pendant que Joseph parlait, Moses was not an idea in anybody's mind. Moïse n'était même pas dans la pensée de quelqu'un. Because the Bible says, for the law was given by Moses. Parce que la Bible dit que la loi avait été donnée par Moïse. So there was no law that said, thou shalt not commit adultery. Alors il n'y avait pas de loi qui disait tu ne commettras point d'adultère. Integrity does not need a law. L'intégrité n'a pas besoin de loi. Some of you, they take you to somebody's house. Certains d'entre vous, lorsqu'on vous emmène dans la maison de quelqu'un. Recently, it happened in my house. Recently happened in my house. Une fois, il s'est passé dans ma maison. A lady was brought to come and wash. Une femme a été emmenée pour laver. And she found an envelope with money. Pour faire de la lessive, elle a trouvé une enveloppe avec de l'argent. And she took it away. Et elle a pris l'enveloppe. You lack integrity. Tu manques d'intégrité. Who is going to open another door for you? Et qui ouvrira une autre porte pour toi? So you see, divine favor has been knocking at your door. Vous voyez, la faveur divine a été en train de frapper. But you are busily shutting the door. Et en train de frapper à votre porte, et vous êtes en train de fermer la porte. Amen. Amen. He says, I will not commit this crime. Il dit, je ne commettrai pas ce crime. Integrity. L'intégrité. Amen. Amen. Let me jump to my very last point. Laissez-moi aller vers mon dernier point. I put the whole. There were about three topics, and I pushed them together. Il y avait près de trois thèmes, et je les ai tous rassemblés. Another key that will give you divine favor this year. Une autre clé qui t'apportera la faveur divine cette and année. And open doors for you where they close them. Et qui ouvrira des portes lorsque les gens les fermeront. Say prayer and fasting. Dis la prière et le jeûne. Oh, I didn't hear you. Say prayer and fasting. Je ne vous ai pas entendu. Dis la prière et le jeûne. Say praise and worship. Dis la louange et l'adoration. Yes. Oui. Praise and worship has the ability to shake walls and bring down gates. La louange et l'adoration a la capacité de faire trembler des murailles et faire tomber des portes. Amen. Amen. The Bible says that one time Herodias danced before the king. La Bible dit qu'un jour Hérodias a dansé devant le roi. He danced so much the king said, ask me anything you want. Elle a tellement bien dansé qu'il dit demande-moi, qu'il lui a dit demande-moi ce que tu voudrais. Even up to half the kingdom I will give to you. Même la moitié du royaume je te donnerai. Yes. Oui. Yes. Oui. When you come to church in the morning. Lorsque vous venez à l'église le matin. And worship and praise is happening. Et nous sommes en pleine louange et adoration. You cannot feel too big than to sit down. Tu ne peux pas te sentir tellement grand et t'asseoir. When the service is going on, lorsque le culte est en train de se passer, and the presence of God has come, et la présence de Dieu est descendue, because the Bible says he inhabits the praise of his people, parce que la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. So when we start lifting up holy lorsque hands, nous commençons à élever nos saintes mains, he is already here, il est déjà là. But he's looking for somebody who can dance. Mais il cherche quelqu'un qui sait, qui peut danser. He's looking for somebody who can worship. Il cherche quelqu'un qui peut adorer. That he may favor the person. Afin qu'il puisse favoriser cette personne. Oh, I can give you another example. Je peux vous donner un autre exemple. The Bible says when we're bringing the ark of the tabernacle to a place. La Bible dit que lorsqu'on apportait l'arche de l'alliance à un endroit. David danced. Que David a dansé. The Bible says he danced, his dress came off. La Bible dit qu'il a tellement dansé que sa robe a quitté. I'm trying to imagine what kind of a dress he was wearing. J'essaie d'imaginer le type de robe qu'il portait. And what kind of a dance he was dancing. Et le type de danse qu'il était en train de danser. How do you dance for dress to fall down? Comment est-ce que tu danses au point où ta robe puisse être enlevée? What kind of dance was it? Quel type de danse était-ce? Listen, the moment the wife spoke about écoutez, à l'instant où la femme a parlé de cela, God says you are a distraction. Dieu lui a dit tu es une distraction. And shut her womb. Et a fermé son ventre. He unfavored her womb. Il a défavorisé ses entrailles. He unfavored her womb. Il a défavorisé ses entrailles. Because a favored womb will bring forth children. Parce que des entrailles favorisées apporteraient des enfants. If you are going to dishonor praise, mais si vous déshonorez la and louange dishonor worship, et déshonorez l'adoration, then I have dishonored your womb. Alors j'ai déshonoré également tes entrailles. I have disfavored your womb. J'ai défavorisé tes entrailles. Paul and Silas. Paul et Silas. They sang. Ils ont chanté. They shook themselves. Ils se sont bougés. The gates started opening. Et les portes ont commencé à s'ouvrir. Amen. Amen. How many of us have a praise and worship life in our house? Combien d'entre nous ont une vie de louange et d'adoration dans nos maisons?
For many of us, we only praise and worship in church. Certains d'entre nous, on ne loue et n'adore qu'à l'église. So when we come to church, alors lorsqu'on vient à l'église, then we would dance et on va commencer à danser un peu. Even that way, you manage some step to the left. Et même parfois, nous allons pousser right, des pas vers la gauche, gauche, vers la droite. À droite, à gauche. And he said, I danced in church. Et dit, j'ai dansé à l'église. Somebody's dress is falling off. La robe de quelqu'un est en train d'être enlevée, de tomber. Amen. Amen. This year of divine favor. Cette année de la faveur divine. For you to attract and activate favor in your life. Pour que tu attires et actives la faveur dans ta vie. Do not play with the key of praise and worship. Tu ne dois pas t'amuser avec le roi de la louange et de l'adoration. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Finally. Finalement. Prayer. La prière. Fasting. Le jeûne. Look, this month of prayer and fasting in this church. Regardez ce mois de prière et de jeûne dans l'église. Do not exempt yourself. Ne t'exclus pas. I was with the missions team yesterday. J'étais avec le département mission hier. Pastor, when we started praying, pasteur, lorsqu'on a commencé à prier, I saw cloud in the room. J'ai vu la foule dans la pièce. It was like dans la salle. Smoke. J'ai vu de la et c'était comme de la fumée. I thought something was burning. Je pensais que quelque chose était en train de se brûler. Yeah. Divine favor is looking for someone. La faveur divine est en train de chercher quelqu'un. Jesus said, this kind, Jésus a dit ce type it only comes by prayer and fasting. Ne s'en ira qu'avec le jeûne et la prière. If you are ready to pray the Lord, si vous êtes prêt à prier and fast et jeûner before the Lord, devant le Seigneur, you can receive divine favor. Vous pouvez recevoir la faveur divine. Oh yeah. Oh oui. A young man prayed before God. Un jeune homme a prié devant and Dieu. Said, my mother bore me in bitterness. Il dit ma mère m'a enfanté, m'a conçu and dans l'amertume. That, the heavens have been closed et over à cause my de life. Cela, le ciel a été fermé sur ma vie. When he prayed before God, mais lorsqu'il a prié devant Dieu, the Bible says that God changed his name. La Bible dit que Dieu a changé son nom. I don't know who is looking for divine favor to change things in your life today. Je ne sais pas qui cherche la faveur divine afin de changer les choses dans sa vie you aujourd'hui. You are tired of the circumstances. Tu es fatigué des circonstances. You are tired of the dryness. Tu es fatigué d'avoir essayé. You are tired of the hardship and difficulties. Tu es fatigué du travail dur et des difficultés. Go, they tell you no. Quel que soit l'endroit où vous partez, on vous dit non. And you are willing to hear a yes for once. Et vous êtes sur le vous voulez entendre un oui au moins pour une fois. Are you ready to fast and pray? Est-ce que tu es prêt à jeûner et à prier? Are you ready to worship and praise? Est-ce que tu es prêt à adorer et à louer? Are you ready to add integrity to your life? Est-ce que tu es prêt à ajouter l'intégrité à ta vie? Are you ready to add value to your life? Est-ce que tu es prêt à ajouter la valeur à ta vie? Are you ready to honor the people that are in your life? Est-ce que tu es prêt à honorer les personnes qui sont dans ta vie? You know, sometimes the hypocrisy is this. Vous savez, parfois l'hypocrisie c'est ceci. We tend to honor those who are above us. On a tendance à honorer ceux qui sont au-dessus de nous. And we don't honor those who are below us. Et nous n'honorons pas ceux qui sont en dessous de nous. One of the lessons I am leaving Dakar with. L'une des leçons avec lesquelles je quitte Dakar. Is the kind of love and respect I see your pastor has for everybody. C'est le type d'amour et de respect que je vois votre pasteur avoir pour chacun d'entre vous. Many times when the service is about to end. Enfin, plusieurs fois lorsque le culte est sur le point d'être clôturé, il va sortir de la pièce. So that when you are coming, he can shake hands. Afin and say que lorsque vous viendrez, vous sortirez, il puisse vous tenir la main et vous dire bonjour. You don't know some pastors. Vous ne connaissez pas certains pasteurs. We have closed service. On a terminé le culte. He's in his office. Il est dans son bureau. Book an appointment with the secretary. Vous devez prendre un rendez-vous avec la secrétaire. And pay consultation fee. Et vous devez payer les frais de consultation. When your date is up, lorsque votre date arrive, come and see him. Venez le voir. Yeah, yeah, yeah. Oui. Some of us, that's how we are. Certains d'entre nous, c'est comme ça que nous sommes. We only honor those who are above us. Nous n'honorons que ceux qui sont au-dessus de nous. We don't honor those who are under us. On n'honore pas ceux qui sont en dessous de nous. It is hypocrisy. C'est de l'hypocrisie. The Bible says, honor all men. La Bible dit honore tout homme. All. Tout homme. So value the children. Donc, valorise également les enfants. Value your age mates. Valorise ceux qui ont le même âge. Value those who are on top of you. Valorise ceux qui sont au-dessus value de toi. Value those you work for. Valorise ceux pour qui tu travailles. Value those who work for you. Valorise ceux qui travaillent pour toi. All. Tous. Amen. Amen. As you have heard the word of God. Alors que tu as entendu la parole de Dieu. I pray for you.
Je prie pour toi. Joining your faith, my faith with the pastor's faith. Joignant ma foi à la foi du pasteur. And the anointing of this house. Et l'onction de cette maison. And I declare over your life. Et je déclare sur ta vie. That this year 2020. Que cette année 2020. You will see divine favor. Tu verras la faveur divine. You will see open doors. Tu verras des portes ouvertes. The doors shall be open to you. Les portes seront you ouvertes. Shall be favored in the morning. Tu seras favorisé you en matinée. Be favored in the afternoon. Tu seras favorisé you shall be favored in the evening. Tu seras favorisé le soir. Wherever you go. Quel que soit l'endroit où tu iras. The answer will be yes to you. Les réponses seront your oui. Business will grow. Tes affaires vont and prospérer collapse. Et ne vont pas se you are the vont head détruire. Tu es la tête and never the tail. Et jamais la queue. Because of the prophetic word spoken over your à cause de la parole prophétique qui a été déclarée may sur ta vie. Divine favor. Puisses-tu recevoir la faveur divine. May you receive favor with God. Puisses-tu recevoir la faveur devant Dieu. And receive favor with men. Et la faveur devant les hommes. May you come out of the city full. Puisses-tu sortir de la ville remplie. And wherever you have worked for years, you have not been paid. Afin que quel que soit l'endroit où tu as travaillé pendant des années sans avoir may été payé. Come upon your life. Que la faveur vienne sur ta to vie. Change your circumstances. Pour changer tes circonstances. To change your life. Pour changer ta vie. And sit you on the table for je divine favor. Je te fais asseoir sur la table où la faveur divine se trouve. You want to lift up your hands for 1 minute. Tu veux élever tes mains pour une minute. And ask God to favor us this year. Et demande à Dieu de te favoriser cette année. Tell God I activate the favor of God. Dis à Dieu j'active la faveur de Dieu. Lift up your voice and speak. Élève ta voix et parle. God is looking for somebody this morning to favor. Dieu cherche quelqu'un ce matin qu'il va favoriser. The favor of God is looking for someone. La faveur de Dieu cherche quelqu'un. Once the word is spoken over your life, alors que la parole a été déclarée sur ta vie, you just have to place yourself tu dois simplement te positionner. Activate the favor active of God la faveur de Dieu. Oh yeah. Light of the world, say, light of the world. You step down into darkness, open my eyes, let me see the beauty that makes this heart adore you. All for love's sake. Light of the world, you step down into darkness, open my eyes, let me see your divine favor upon my life, the beauty that makes this heart.
faveur divine.